Bonjour à tous, donc nous allons continuer notre petite correction du sujet 2022 Métropole. Rappelez-vous, c'était sur l'argumentation, un texte de Colette avec une photo. Et je vous avais donc demandé de commencer à le préparer et aujourd'hui nous allons donc le corriger. On va regarder ensemble bien évidemment le texte, la grille d'évaluation bien évidemment du ministère de l'Éducation nationale et moi bien sûr je vais vous donner des conseils pour la première partie et surtout pour la deuxième partie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à nouveau, donc Béatrice Monnier, formatrice pour les CAP sur Toulouse. Donc c'est parti, on va donc du coup regarder un petit peu déjà, on va se rappeler le texte. Donc voilà le texte. Donc j'ai commencé déjà à le flouter pour vous montrer déjà la méthode de la première partie. Donc on reprend vite fait la première partie qui était hop là, voilà. Donc on vous demande, présenter le texte en répondant aux questions suivantes. Qui accompagne Colette lors de son voyage ? Quelle est la destination? Donc, c'est pas compliqué, il suffit de lire le texte, bien évidemment. Et moi, comme je vous ai dit, je vous conseille vraiment de prendre des fluos. Hein, c'est très, très important. Donc, on regarde. Donc, moi, si vous regardez bien, j'ai pris des fluos, donc, du coup, vert, New York, New York, New York. On voit bien, vous voyez, avec le système de fluos, on voit vraiment directement ben, les mots-clés. J'ai également flouté d'une autre couleur. Deux Français, mon mari et moi, j'entraînais mon mari. Donc là, comment on va répondre? Et mon mari également. Donc là, comment on va répondre? On va répondre par une phrase toute simple. On fait ce qu'on appelle une phrase-réponse. Donc du coup, on va reprendre les éléments qui nous ont été demandés par l'énoncé et on va compléter en donnant, bien évidemment, attention, les lignes. C'est très, très important. D'où l'importance, justement, de fluoter. Plus vous allez fluoter, plus vous allez donner de lignes et d'informations et plus vous aurez une bonne note. Donc voilà. Donc là, par exemple, nous allons dire Colette fait un voyage à New York. Voyez, on reprend la phrase réponse, la phrase question. C'est indiqué dans le paratexte et à plusieurs reprises dans le texte, ligne 1, ligne 10. Elle est accompagnée de son mari, entre parenthèses, ligne 24, ligne 31 et ligne 38. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de donner toutes ces lignes, ce nombre de lignes, mais moi, je vous conseille au moins d'en donner au minimum 2. Maintenant, voyons la deuxième question. Deuxième question, on vous demande de montrer que Colette ne suit pas le programme officiel fixé au cours de son voyage en vous appuyant sur des éléments de justification. Deux points. Donc là, pareil, on prend un autre fluo. Pour ma part, j'ai fluoté en bleu. Et qu'est-ce que j'ai fluoté? Alors, bien sûr, ça va dépendre des candidats, mais voilà, fluoté. Puis après, on fera la réponse, la phrase-réponse. Première infraction au programme officiellement fixé. Je ne suis pas allée à un grand dîner littéraire. Je ne suis pas allée au banquet international des journalistes. Je n'ai pas été voir les musées de peinture. Quelle école buissonnière? Et maintenant, voyons comment on va répondre. Donc, voilà une proposition, bien évidemment. Colette ne suit pas le programme officiel fixé au cours de son voyage, car elle raconte, ligne 11, qu'elle a fait une première infraction à un programme officiellement fixé. Vous voyez, en fait, en gros, je mets la ligne et je mets surtout les guillemets. C'est ça qui est très important, d'accord? Elle n'est pas allée au grand dîner littéraire qui était prévu, ligne 13. Elle n'est pas allée au banquet international des journalistes, ligne 14. Elle n'est pas allée voir les musées de peinture, ligne 15. Elle dit avoir fait l'école buissonnière, ligne 25, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté le programme imposé. Donc, vous voyez bien, rien de compliqué. En fait, il suffit de reprendre la ligne, la question, et on va citer les réponses entre les guillemets et bien sûr les lignes. Rien de compliqué, c'est vraiment, hein, pour ça que c'est très important d'avoir un système de fluo pour bien comprendre, bien sûr, après ce qu'on attend de vous dans les questions. Maintenant, question 3. Question 3, on vous demande pourquoi aux lignes 16 et 17, Colette dit-elle qu'elle n'a rien fait et que pour autant, ça a été merveilleux. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien fait et pourquoi est-ce que ça a été merveilleux? Alors, on va reprendre. Donc, du coup, moi, j'ai pris un autre système de fluo également. Et donc là, je suis partie avec du violet, du rose. Et donc, par exemple, elle est restée en peignoir de bain. Le champ lexical de la féerie, le champ lexical du merveilleux, on a féerie, cœur allègre.
Rien, parfaitement rien, ça a été merveilleux. Chose inutile, infantile, dépourvue de toute intellectualité. Elle a pris le taxi, elle est passée 3 heures dans un bazar, elle est allée au cinéma, elle est allée manger des glaces, des ice cream, des glaces, elle est allée également manger du canard, elle est allée à Central Park. Quel bonheur! Donc on voit bien effectivement que par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire les dîners officiels, le musée, les conférences et ainsi de suite, elle a fait tout à fait l'inverse. Donc c'est en ce sens-là qu'elle n'a rien fait. Et avec le champ lexical, féerie, bonheur et ainsi de suite, on voit vraiment que c'est merveilleux. Donc maintenant, comment il faut le dire? On va en reprendre, vous allez voir. Donc, on reprend vraiment la phrase réponse. Aux lignes 16 et 17, Colette dit qu'elle n'a rien fait et que pour autant ça a été merveilleux. Et maintenant, on va expliquer. Colette dit qu'elle souhaitait faire des choses inutiles, infantiles, dépourvues de toute intellectualité, ligne 17 et 18. Hein. C'est pourquoi elle a préféré prendre un taxi, ligne 18, passer 3 heures dans un bazar, ligne 20, aller au cinéma, ligne 20. Vous voyez, en fait, c'est ce qu'on appelle des énumérations. Je vais énumérer tout ce que j'ai flouté. Je le mets entre guillemets si vraiment, vraiment, je donne le mot exact ou la ligne exacte, soit sinon je le cite et par contre, je vais mettre les parenthèses. Ligne 19, ligne 20 et ainsi de suite pour marquer vraiment tous les points. À toutes ces actions, elle y associe un champ lexical du bonheur et du plaisir, féerie, ligne 20, cœur allègre, ligne 12, quel bonheur, ligne 33. Maintenant, on va regarder la question 4. Question 4, donc là, nous sommes sur la photo. Et on vous demande, comment le photographe parvient-il à nous faire ressentir le bonheur du couple? Le bonheur du couple, si on regarde la photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà sur leur sourire, hein, vraiment, ils sont heureux, ils rigolent. On voit également qu'ils courent, ils ont les bras, on va dire, ballants, comme des enfants qui courent. Ils sont en pleine route également, complètement insouciants, parce qu'on voit qu'il y a des voitures derrière, ils pourraient peut-être éventuellement se faire écraser. Et puis également, l'auteur a fait un gros plan sur les personnages, ils sont vraiment cadrés. On a New York en arrière-plan qui est même flouté, donc un gros plan sur les personnages pour vraiment mettre en avant justement cette notion de bonheur, d'insouciance. La jeune femme semble regarder amoureusement ou par bonheur son mari, ou en tout cas la personne qui l'accompagne. Voilà, donc en fait, toute cette notion de bonheur va se refléter dans les gestes, dans la gestuelle, dans le sourire, mais également dans le cadrage. Maintenant, comment on va le dire? Le photographe parvient à nous faire ressentir le bonheur du couple à travers. Donc là, je fais une phrase-réponse, je reprends exactement ce qui m'est demandé. Et je peux bien évidemment utiliser des puces. Il n'y a aucun souci, utiliser des puces, ça sera clair, beaucoup plus clair. Leur expression, ils ont un large sourire sur le visage. La femme regarde son mari d'un air complice et heureuse. Leur attitude, gestes, ils courent main dans la main en plein New York. Ils ont des gestes ballants, comme insouciants. Ils courent en pleine rue sans se soucier des risques. Et puis bien sûr, la photo est cadrée. Hop là, j'ai fait une faute. Hein. Hop là. Oui, je suis avec vous. Hein. Être cadré sur les deux personnages, l'arrière-plan être flou pour mettre en avant le bonheur des deux personnages. Maintenant, on va regarder la question 5. Question 5, expliquer pourquoi l'image pourrait illustrer le texte 1. Franchement, c'est facile. Dans le texte, rappelez-vous, on a deux personnages, un homme, une femme. Ils sont en plein New York. Ils sont heureux. Ce sont des personnages également qui sont complètement insouciants puisqu'ils sont censés aller au travail et ils vont justement parcourir New York frénétiquement. Ils vont aller manger des glaces, ils vont courir en plein New York et ainsi de suite. Donc vraiment, vraiment, il y a une vraie, on va dire, relation. Donc comment le dire maintenant, tout simple? L'image pourrait illustrer le texte car elle se passe au même endroit, à New York. Sur l'image, nous apercevons également un couple, un homme et une femme, comme dans l'histoire. Les personnages sont heureux, ils courent, ils semblent fuir leurs obligations, puisqu'ils sont en tenue de travail, effectivement, vous avez remarqué, ils sont vraiment en tenue de travail. Ils suivent donc les formalités, comme le fait Colette et son mari. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est vraiment l'argumentation, l'écriture d'argumentation, hein, qui est vraiment le plus important pour beaucoup, et surtout ce qui stresse le plus. Je vous rappelle que la première partie, c'est 10 points, deuxième partie, c'est 10 points. Là, on va regarder un petit peu déjà la méthode de l'argumentation. Déjà, regardons le texte, déjà ce qu'on nous demande. Voilà ce qu'on nous demande. Vous avez un projet de voyage. Vous avez le choix entre un séjour organisé et une agence qui s'occupera des réservations, ainsi que du déroulement de vos journées. Et une autre option libre, où vous décidez de votre programme sans guide. Après avoir indiqué votre destination, vous présenterez au moins
un avantage et un inconvénient pour chacune de ces deux options possibles. Séjour organisé par une agence de voyage et séjour libre. En conclusion, vous préciserez votre préférence. Vous rédigerez un texte de 20 à 30 lignes. C'est ce qu'on appelle l'écriture d'argumentation. Vous devez argumenter le pour, le contre, avec deux sous-parties. Là, on voit bien, on vous demande de faire un plan en deux parties. Première partie, partir avec une agence de voyage pour, contre. Donc, on a une grande partie avec deux sous-parties. Et on a un grand 2, partir libre, seul, sans agence de voyage. Petit 1 pour, petit b contre, ou inconvénient, avantage. Inconvénient, avantage. Donc, je vais vous montrer un petit peu déjà la méthode. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre pareil des fluos. Vous allez fluoter et vous allez, on va regarder. Donc, déjà, on vous dit de parler vous. Donc, il va falloir forcément vous impliquer. Parler à je. C'est la base, hein, parler à je. Vous avez un projet de voyage. Ça veut dire, attention, vous ne, c'est pas maintenant, c'est vous avez un projet. Donc, il faut parler dans le futur ou dans le conditionnel. En tout cas, c'est quelque chose qu'on projette, qui n'est pas encore en train de faire. On est dans la réflexion, on projette. Donc, utilisation du futur ou du conditionnel. Vous avez le choix entre un séjour organisé avec une agence de voyage, hein, d'accord. Donc, vous pouvez flouter, effectivement, projet de voyage, séjour organisé. Puis, vous avez libre, votre destination. Hein, il faut indiquer la destination, séjour organisé, voilà. Donc, déjà, on voit bien que la thématique, c'est le voyage. Et on vous dit, hein, il faut indiquer dans une première partie votre destination. Donc, déjà, vous allez essayer de trouver une destination. Alors, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile si vous avez l'habitude de voyager, si vous avez déjà l'habitude soit de voyager seul, soit de voyager avec une agence de voyage, voire l'idée. C'est même d'avoir fait les deux pour vraiment, vraiment avoir des avantages et des inconvénients. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, à ce moment-là, il va falloir vraiment inventer. On n'a pas le choix. Donc, partir déjà sur une destination. Une destination, ça peut être bien évidemment l'étranger, comme ça peut être tout à fait la France. Si on souhaite quand même prendre une agence de voyage, peut-être partir à l'étranger. Et puis, vous devez présenter au moins un avantage et un inconvénient, soit de partir avec une agence de voyage, soit de partir seul. Donc là, il va falloir faire obligatoirement un plan. Donc, en fait, en gros, on va faire, hein, voilà le plan, hein, thème, faire un plan qui respecte ce qui est demandé, donc une introduction, voilà. L'introduction, il va falloir indiquer la destination, qui est là, d'accord. Vous allez faire un développement en deux parties avec avantages et inconvénients, et une conclusion. Il faut faire attention, 20 à 30 lignes. 20 à 30 lignes, ça paraît beaucoup pour certains. L'introduction, elle peut faire 2, 3 lignes, 4 lignes. La conclusion, il faudra justement vous dire, de préciser vos préférences, ça peut être pareil, 3, 4 lignes. Donc, on est déjà à peu près à 8 lignes. Donc, il nous reste à peu près, allez, une douzaine de lignes pour arriver à 20 ou une quinzaine de lignes. Si on divise, puisqu'on doit faire deux parties, bon, mais on va être à peu près à 8 lignes par partie, par le grand 1, par le grand 2. En fait, vous voyez, quand vous découpez comme ça mentalement, moralement, ça paraît beaucoup plus simple, hein, d'accord. Donc, c'est pas insurmontable. Et puis, il va falloir, voilà, vous allez faire un plan. Moi, j'ai fait un plan. Alors, bon, moi, j'étais partie effectivement sur la Corée, hein, voilà, parce que je reviens de Corée, mais pourquoi pas, voilà. Donc, premier plan, regardez, on va dire les idées que j'ai mises. Bien évidemment, ce sont des idées qui sont propres à chacun, hein, d'accord. Bien sûr, vous allez trouver vos propres idées, forcément. Alors, séjour organisé avec une agence de voyage, il vous faut un avantage, un inconvénient. On vous demande un exemple. Il vaut mieux sincèrement en avoir deux, comme ça au moins vous êtes plus tranquille. La difficulté, attention, ça va être, on est dans l'argumentation. Il va falloir après les relier par des petits mots qu'on appelle des liaisons, des mots de liaison, de concession ou d'opposition. On va voir ça après. Premier avantage, par exemple, alors donc là, il faut quand même aller relativement vite, hein, d'accord, parce que je vous rappelle que vous n'avez qu'une heure pour faire cette deuxième partie. Avantage, on nous demande, voilà. Donc, c'est facilité d'organisation, effectivement, parce que quand on prend une agence de voyage, on n'a rien à faire, on n'a pas à réserver, on n'a pas à chercher les hôtels, on n'a pas à chercher les moyens de transport, donc c'est beaucoup plus un gain de temps, hein, voilà. C'est une facilité d'organisation et un gain de temps. Premier avantage que moi, j'ai trouvé en tout cas. Deuxième avantage, effectivement, là, je viens de Corée, je parle pas du tout coréen, très, très peu anglais ou très, voilà, moyen anglais. Donc, effectivement, si on part avec une agence de voyage, surtout dans un pays où on ne parle pas la même langue, ben, forcément, ça va être beaucoup plus avantageux, hein, d'accord. Donc, ça, c'est important parce que, du coup, ben, on aura forcément quelqu'un qui va être là pour nous accompagner, traduire et ainsi de suite.
Inconvénient pour moi, alors bien sûr ça peut être autre chose, hein, c'est que ben, on n'est pas du tout libre. Hein. Moi qui suis déjà partie avec une agence de voyage, effectivement on a un planning bien particulier, avec des horaires bien particuliers. Si on veut prendre notre temps pour visiter quelque chose, ben non, il faut suivre le groupe et des fois c'est au pas de course. Hein, voilà. Donc c'est peut-être un petit peu plus fatigant en plus et vraiment, voilà, ça peut être ça. Ça peut être un deuxième inconvénient également, c'est la notion de groupe. On va partir avec un groupe, il faut vraiment ben, accepter de vivre en groupe. Hein, voilà. Donc, bien évidemment, je répète, chacun trouve ses inconvénients et ses avantages. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, hein, comme je le montre là dans le modèle, il faut vraiment que vous fassiez une sorte de petit tableau. D'accord ? Maintenant, dans la deuxième partie, hein, séjour libre sans agent de voyage, on est libre de visiter ce que l'on souhaite. On va là où on veut, on visite ce que l'on souhaite, le musée que l'on veut, le palais que l'on veut, le village que l'on veut, où on ne visite rien du tout. Si aujourd'hui on a envie de faire farniente au bord de la plage, on fait farniente au bord de la plage. En fait, voilà, on est vraiment cette notion de liberté. Pour moi, je pense que c'est déjà un premier avantage. Et puis également, hein, j'ai mis, on peut gérer plus facilement son argent, parce qu'effectivement, c'est vous qui allez choisir les hôtels où vous allez dormir, les restaurants où vous allez manger, les visites que vous allez faire. Donc effectivement, comme on a vu tout à l'heure, c'est peut-être un gain de temps de prendre une agence de voyage, mais pas forcément un gain d'argent. D'ailleurs, ça coûte toujours un petit peu plus cher, alors que là on va être libre, c'est nous qui allons gérer notre argent. En inconvénient, puisqu'on nous demande de trouver un inconvénient également dans les deux parties, mais on peut effectivement passer à côté de certaines choses, de certains faits historiques, de certaines petites anecdotes, de certaines petites traditions également, surtout si on ne comprend pas la langue et surtout si on ne connaît pas vraiment la culture. Hein, voilà. Donc c'est peut-être effectivement d'avoir quelqu'un qui va nous guider pour nous montrer vraiment ce qui est important à voir, surtout dans un petit laps de temps. Ça peut être intéressant de prendre par contre, hein, bien sûr, un voyagiste plutôt que de partir seul. Ça peut être pourquoi pas un inconvénient. On peut être également, comme on l'a vécu nous aussi, sujet à des annulations de dernière minute, le train qui n'est pas là, le train qui est en retard, les Airbnb qui annulent au dernier moment, et ainsi de suite. Donc on peut être confronté à des petites aléas de la vie du voyage, on va dire. Et là par contre, on est seul, il faut qu'on arrive à gérer tout seul, il faut qu'on se débrouille. Ça peut être également une autre aléa. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre petit tableau avec vos petites idées, grand 1, AB, grand 2, AB, mais voilà maintenant relier tout ça, hein, dans un, justement, un plan argumenté. Donc là, il va falloir vous faire une introduction, je répète, de 3-4 lignes, votre grand 1 AB, votre grand 2 AB et votre petite conclusion. Il va falloir, comme je vous dis, attention, hein, si on regarde bien, hop, je vais vous montrer un petit peu la grille d'évaluation. Voilà la grille d'évaluation qu'on vous demandait. Donc ça, c'était la grille d'évaluation officielle de ce sujet, d'accord? On vous dit, hein, la situation d'énonciation, les caractéristiques du texte demandé sont respectées, pas de situation de communication imposée, indication de la destination, prise en compte des deux options, la longueur est convenable. L'opinion est argumentée, présence d'arguments favorables et défavorables pour chaque option. La situation du texte est cohérente, l'opinion argumentée progresse vers l'expression d'un choix, utilisation de connecteurs d'opposition ou de concession. C'est là où il faut, attention, il va falloir gérer opposition, concession. Structure des phrases est globalement correcte, orthographe grammaticale est également correcte, lexique utilisé est globalement approprié. Voilà. Donc en fait, en gros, qu'est-ce que c'est que ce petit vocabulaire d'opposition et de concession? Ce sont des petits mots. Concession, c'est certes, je conçois, j'admets, je reconnais. Opposition, c'est toutefois, mais, malgré que, en revanche, voilà, en fait, il faut montrer, il va falloir vraiment jongler sur vos mots, hein, d'accord? Donc moi, je vous conseille, le jour du CAP, de faire une sorte de petites mots, si vous tombez sur l'argumentation, ne surtout pas oublier dans votre brouillon, hein, de les mettre vraiment en marge de votre brouillon, pour ne surtout pas les oublier. Bien sûr, on ne va pas faire que les utiliser, mais il va falloir en utiliser au moins 4 ou 5. À partir de là, je présente mon introduction. Hein, je me rappelle, hein, qu'on me demande d'annoncer la destination, que je peux expliquer pour gagner un petit peu de place, hein, ben, le choix de ma destination, et je parle à jeu. Donc, passionnée de séries coréennes, j'ai pour projet d'aller d'ici quelques mois en Corée du Sud. Rappelez-vous, c'est un projet. Hein, d'accord, c'est un projet. Je souhaite voir de mes propres yeux si la fiction des séries reflète la réalité. En fait, là, vous, entre guillemets, vous justifiez la raison pour laquelle vous souhaitez partir dans un pays. Je me pose alors la question, est-ce que je confie l'organisation de mon séjour
relation à une agence de voyage ou est-ce que j'organise moi-même mon périple? Voyons ensemble les avantages et les inconvénients de ces 2 mois de séjour. C'est exactement ce qu'on vous demande. Voyez, hein? Donc voilà comment on peut faire effectivement votre petite introduction. Et puis à partir de là, on commence par justement notre première partie. Le plus simple serait effectivement de partir avec une agence de voyage. Et voilà en fait mes petits mots de concession. Vous voyez, là par exemple, je vais vous montrer. Hein? Donc j'en ai mis un là. J'en ai mis un là pour vraiment que vous les voyez. J'admets que, vous voyez, je mets un peu partout hein, mes petits mots, puisque vous avez vu hein, dans, on va dire, dans la grille d'évaluation, c'est vraiment ce que les examinateurs vont attendre. Donc, je mets quoi? Donc là, ce sont mes avantages et là, c'est mes inconvénients, selon moi. En fait, je reprends exactement du coup ce que j'ai mis là, mais je vais faire une phrase ou deux pour vraiment, vraiment, on va dire, étayer, forcément. Donc, certes, cela m'éviterait de faire moi-même des recherches de réservation des hôtels, des bus pour me déplacer. Je suivrai le tracé et le programme mis en place jour par jour par un vrai professionnel. De plus, je pense que c'est beaucoup plus avantageux vu que je ne parle pas du tout coréen et que mon anglais est relativement scolaire. J'admets que je pourrais ainsi me laisser guider sans souci. Je conçois effectivement que c'est quelque chose qui pourrait du coup se faire. Mais là, je montre mon opposition. Mais toutefois, attention, j'hésite. Je trouve que les voyages organisés, je trouve dans les voyages organisés, pardon, une absence totale de liberté. Alors, je peux bien évidemment, voyez, mettre des phrases expressives, hein, d'accord? N'oubliez pas, voilà, vous donnez votre opinion. On ne visite que ce qui a été prévu. Les temps de visite sont très souvent courts. Il faut souvent courir, enchaîner les visites. On ne peut pas prendre notre temps. Or, opposition, hein, voilà. Or, moi, j'aime flâner, traîner des heures entières dans les monuments, prendre des photos à Maureen. Et puis, en fait, on fait un voyage avec des gens que l'on ne connaît pas. Je conçois que, encore ma concession, cela peut être intéressant, mais, opposition, hein, il peut y avoir des tensions entre le groupe. J'ai déjà connu ce genre de situation. Alors, bien évidemment, attention, j'insiste bien, les petits mots que j'ai mis entre parenthèses, là, c'est juste pour vous montrer, bien évidemment, le jour du CAP, vous ne le mettez pas, bien évidemment. Et puis, on saute une ligne. Et là, maintenant, on fait ma deuxième partie qui est, bah, du coup, et si je partais sans agence de voyage par moi-même? Là, je montre que, ben, bah, voilà. Pourquoi pas? Et donc là, pareil, effectivement, concession, je serai plus libre de visiter ce que je veux. Je pourrai adapter mes visites selon mes centres d'intérêt. Je pourrai aller là où je veux, visiter les châteaux, les palais ou les parcs à ma guise. Je pourrai aussi gérer plus facilement mon budget. C'est moi qui choisirai les hôtels. Vous voyez, en fait, hein, si j'ai fait un bon plan, ben, tout va s'enchaîner. En fait, le but, c'est vraiment, vraiment d'abord de faire un bon plan. Vous respectez vraiment ce qu'on vous demande. Avantage. Un exemple, inconvénient, un exemple. On vous demande ça, vous le faites. Et en faisant ça, vous allez voir que ça va être beau, ça va être très, très simple. Pareil, néanmoins, je montre mon opposition. Hein. Je pourrais passer à côté de choses intéressantes, d'histoires typiques, de lieux typiques ou insolites qu'un voyagiste aurait, lui, n'aurait lui pas oublié de nous montrer. J'admets aussi, concession, que l'on peut être sujet à des annulations de dernière minute. Voilà, train annulé, ainsi de suite. Et donc, il faut savoir gérer les imprévus. Et là, je conclue. Et en conclusion, attention, on vous dit faire un choix. Ainsi. Donc, du coup, ainsi, j'annonce vraiment, ça y est, par un connecteur que ben, je termine. J'ai la possibilité de partir soit par une agence de voyage, soit libre. À la réflexion faite, je reconnais que partir seul à la découverte de l'aventure me retire beaucoup plus. Je pourrais prendre le temps et donc là, j'explique vraiment pourquoi je souhaite partir seul. Ben, en fait, je reprends exactement plus ou moins les idées que j'ai mises là. Je pourrais prendre le temps de visiter les lieux et ainsi de suite. Je pourrais gérer mon budget. Je ne ferai pas tenir un planning strict et à voyager avec des gens que je ne connais pas. Maintenant, il ne tient qu'à moi de faire mon programme. Point d'exclamation. Vous voyez, n'hésitez pas à mettre de la ponctuation pour vraiment, vraiment ben, montrer vos sentiments. Donc, vous voyez, hein, donc, ce qui était important là, vraiment, c'est de faire un bon plan. Vraiment un bon plan, de bien bien respecter ce qui vous est demandé
par un code couleur, toujours pareil, et d'utiliser bah, du vocabulaire d'opposition et de concession, parce que c'est ça qui montre vraiment, vraiment bah, l'argumentation. Je vous rappelle sur le site, vous avez vraiment bah, la petite formation complète avec sa fiche, plusieurs sujets également, corrigés également. Vous l'avez sur la fiche, je vous mettrai également le lien si ça vous intéresse. Et moi, je vous souhaite bon courage, très, très bonne soirée ou journée, bien évidemment. Et, il faut s'entraîner, c'est très très important pour réussir le français. Il faut s'entraîner. Donc, entraînez-vous et bon courage. Au revoir.